Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, voici les titres. Le cyclone Freddy s'éloigne désormais de Madagascar. Selon le rapport du service météorologique, le cyclone Enala, qui s'est formé dans l'océan Indien et qui se trouve à 2000 km de Madagascar, n'a pas encore affecté la météo sur la grande île au cours des trois derniers jours. 160 tonnes de riz Vartzins, une aide de la part de l'État via le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, ont déjà été acheminées vers les districts touchés par le passage du cyclone Freddy dès le début de la semaine. Reprise à 100% de tous les départs nationaux ce jour, après deux jours d'arrêt suite au passage du cyclone Freddy pour la gare routière de Fasankaran, les départs étaient encore peu nombreux par rapport à d'habitude, d'après les explications. En Syrie, après les séismes, des artistes au nord d'Alep ont conjuré leur douleur en tentant de sublimer le malheur d'une population. Les décombres sont devenus des fresques pour remercier ceux venus apporter leur aide. À la une des actualités, selon le rapport du service météorologique, le cyclone Freddy s'éloigne des côtes de Madagascar pour se diriger vers le Mozambique. La couverture nuageuse qu'il a laissée dans son sillage est à l'origine des pluies qui tombent encore dans de nombreuses parties de la grande île. Aujourd'hui surtout, sur la partie est, le cyclone Enala, qui s'est formé dans l'océan Indien et qui se trouve à 2000 km de Madagascar, n'affectera pas encore la météo à Madagascar au cours des trois derniers jours, mais sa progression est surveillée de près selon toujours le service météorologique au micro de Sibella Rijemazaf et les images de Fetchin Njemanazar. Le cyclone Freddy a quitté Madagascar cette nuit. Il s'est trouvé à 300 km à l'ouest de Moromé ce matin, selon les informations émanant du service de la météorologie. Cependant, il a continué à pleuvoir pendant toute la journée dans plusieurs régions de Madagascar, surtout dans la partie est. Les amas nuageux laissés par ce cyclone ont apporté du mauvais temps dans ces régions. Cependant, le temps sera sec à partir de demain. Toujours dans l'océan Indien, le cyclone Enala, quant à lui, situé actuellement à 2000 km des côtes de Madagascar, n'aura encore aucun impact sur la météo à Madagascar. Néanmoins, sa progression est surveillée de très près. Selon toujours le service météorologique, qui a également insisté sur le fait que seules les informations officielles publiées par le site officiel du service de la météorologie restent dignes de foi et devraient être suivies. Désormais, le temps qu'il fera lors des prochains jours sera régi uniquement par la saison pluviale. 160 tonnes de riz Vartzins, une aide de la part de l'État via le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation ont déjà été acheminées vers les districts touchés par le passage du cyclone Freddy dès le début de la semaine. Manazar, Nusvark, Manakar, Vatmanch et Manour ont bénéficié chacun de 32 tonnes de riz selon les informations du dit ministère. Cette initiative entre dans le cadre du soutien au gouvernement central pour alléger les souffrances de la population frappée par les intempéries. Les détails sur le reportage de Ftiavana Douni et d'Ifrasat. Le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation a pris les devants face au passage du cyclone Freddy. En effet, dès le début de la semaine, les responsables avaient convoyé du riz de bonne qualité à bas prix, communément appelé Vartzins, une forme d'aide de la part de l'État malgache pour alléger les dépenses des foyers vulnérables. Il s'agit donc
d'une initiative d'anticipation et d'une réponse immédiate de l'État sous forme d'aide après le passage du cyclone Freddy. L'instruction du ministre Edgar Savnerva était que le riz parvienne sur place bien avant l'impact de Freddy. Ainsi, les cargaisons de riz avaient été envoyées depuis dimanche dernier à destination des districts de Mananzar, de Nosuvarkia et de Manakar, soit 2 jours avant l'arrivée du cyclone pour éviter tout problème de transport, notamment les routes coupées. Les districts bénéficiaires ont été choisis d'après le tracé probable du passage de Freddy. Batman et Mahanour ont également été pris en compte dans l'organisation des envois du riz du ministère. Mananzar, Nosuvarkia, Manakar, Fatmanj et Mahanour ont reçu chacun 32 tonnes de riz selon les informations du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. 15 tonnes ont été acheminées vers Fenaratsu. Njienien Rangiyaramayef, directeur du commerce interne, met en garde contre toute tentative d'augmenter le prix du Vartins, notamment dans les épiceries. Le Vartins doit être vendu à 650 rials le kapok. D'ailleurs, le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation procédera à des descentes inopinées pour veiller à ce que les commerçants respectent le prix fixé par l'État malgache. Reprise à 100% de tous les départs nationaux ce jour, après 2 jours d'arrêt suite au passage du cyclone Freddy, pour la gare routière de Fassankaran, les départs étaient encore peu nombreux par rapport à d'habitude. D'après les explications, aucun danger ni risque pour les usagers n'a été signalé par les autorités, ni éboulement ni coupure de route, d'où l'autorisation de reprise de la circulation. Toutefois, les gérants de la gare routière tirent la sonnette d'alarme sur l'existence de nombreuses portions de route à risque qui peuvent être en danger pour les transporteurs à tout moment à cause de leur très mauvais état, notamment sur les routes nationales 7, 34 et 35. Un reportage de Mamtina Jebloun et d'Omega Hanefson. Les taxis brousses à destination de Fort Dauphin, contraints de rester à la gare routière de Fassankaran depuis mardi après-midi, ont été finalement autorisés à reprendre la route ce jeudi matin. Les responsables de la gare routière n'ont reçu la consigne autorisant leur départ que ce matin. En effet, depuis mardi après-midi, tous les transports, que ce soit pour les marchandises ou les voyageurs, ont été suspendus à la gare routière à cause du passage du cyclone Freddy. Après constat par les autorités des dégâts considérés comme relativement mineurs, surtout pour le secteur du transport terrestre, on leur avait autorisé la reprise de tous les départs, précise le président de la gare routière. Une réunion de tous les responsables des coopératives qui opèrent au Fassankaran s'est donc tenue tôt ce matin afin de les avertir de cette décision. Des départs ont été enregistrés depuis ce matin, même s'il n'y a pas encore eu une forte affluence des voyageurs. D'après toujours les précisions, même si aucun éboulement ni coupure de route occasionnée par le cyclone ne leur a été signalé, les transporteurs étaient invités à être vigilants pendant leur voyage. En effet, avec les fortes pluies amenées par le cyclone, l'état des routes déjà mauvaises a sûrement empiré, précise Indian Palan Martin. De nombreuses portions de route étaient déjà à risque depuis le dernier passage de Chenezo, sans qu'aucune réhabilitation n'ait eu lieu. Aussi, les opérateurs du transport routier craignent que leur état ne soit dégradé encore plus. Pour ne citer que les portions de la RN7 entre Antananarivo et Touliaj, celle de la RN34 entre Antsirabe et Malembad, en passant par Mianjvaz, et celle de la RN35 entre Ambatfinanjan et Mourdav, plus précisément Ambatfitran, où les passagers sont contraints de descendre des taxis-brousses pour que les véhicules puissent passer, ou encore à Vuiparar, à la Kamisnambuima et en Kazmiruch. Les transporteurs lancent donc un appel aux autorités compétentes pour qu'elles se penchent sur ce problème récurrent de l'état des routes nationales.
Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, ou BNGRC, a annoncé que les aides venant des particuliers et celles des organisations privées parviendront bien dans toutes les régions touchées par le cyclone Freddy. Le BNGRC a également assuré que la distribution de ces aides dans les zones les plus affectées fera l'objet d'un suivi rigoureux. Explication recueillie par Romy Armanan et Fetcher Njemanazar. Le directeur du BNGRC a déclaré aujourd'hui que ni les aides provenant des particuliers, ni celles octroyées par les organisations privées aux zones affectées par le passage du cyclone Freddy ne feront l'objet de détournement. Il a également confirmé que toutes les aides humanitaires parviendront à ceux qui en ont vraiment besoin. Le BNGRC a été choisi par les organisations humanitaires pour venir en aide aux compatriotes dans le besoin suite au passage du cyclone Freddy, car seule cette plateforme peut leur garantir que l'aide qu'ils apportent parviendra bien aux sinistrés. Après le passage d'une catastrophe naturelle, l'entraide est de mise parce que le gouvernement seul ne pourra y faire face. Jusqu'à présent, 4 personnes ont perdu la vie suite au passage du cyclone Freddy et 16 709 personnes ont été sinistrées dans les régions de Vadvav, de Fitfnani, d'Atsimotsnanan et d'Amburunmani. Les 60 sacs de riz offerts par une organisation privée sont arrivés au BNGRC aujourd'hui et seront distribués dans les zones les plus affectées par le passage du cyclone Freddy. De nombreuses lacunes peuvent être encore constatées concernant l'organisation des élections. Selon un parti politique de l'opposition, ce dernier réclame la présence conjointe des représentants de l'opposition et des responsables gouvernementaux lors de l'élaboration à la base de la liste électorale avant que ne se tienne l'élection présidentielle. Ce parti politique revendique également la présence d'experts en matière d'élections au sein de la Commission électorale nationale indépendante ou CENI. Rappelons que les forces de l'ordre avaient interdit l'accès au PK0 à Souaran aux personnes qui comptaient y tenir la présentation de vœux du parti Panorama à l'occasion du nouvel an 2023. D'après les forces de l'ordre, l'événement n'avait pas été autorisé par le préfet d'Antananarivo. La visite officielle à l'île de la Réunion de la délégation du Sénat de Madagascar, conduite par le président du Sénat de Madagascar, Razaf Maïfa Irmanan, a été marquée par une rencontre décisive avec le président de la région Réunion, Huguette Bello, hier 22 février 2023. Le principal objet de la rencontre était de jeter les jalons d'une coopération solide, structurée et pérenne entre la région Réunion et le Sénat de Madagascar. Le but étant de ranimer les liens forts, historiques et fraternels entre les deux îles et leurs populations respectives. Les domaines prioritaires de coopération soulevés seront ceux de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'industrie, de l'éducation, du tourisme, de la culture à travers la francophonie, de la jeunesse, de l'environnement et de l'énergie renouvelable. Cette rencontre fructueuse s'est avérée d'une grande importance, étant donné que l'année 2023 marquera le 360e anniversaire du peuplement de la Réunion, dont, selon Mme Bello, les ancêtres sont majoritairement malgaches. Les deux parties s'activeront ainsi à tisser et consolider chaque secteur prioritaire de coopération entre les deux îles, unies par la volonté commune de briller dans l'océan Indien. Passons maintenant aux actualités internationales. En Syrie, après les séismes, des artistes au nord d'Alep ont conjuré leur douleur en tentant de sublimer le malheur d'une population. Les décombres sont devenus des fresques pour remercier ceux venus apporter leur aide. Un reportage de France 24. Des couleurs, un pinceau, du cœur. Cette enfant syrienne peint délicatement une fresque murale dans la ville de Jinderis. Une œuvre pour rappeler que tous ceux qui ont perdu la vie dans le séisme ne seront jamais oubliés. Je dessine une rose et le drapeau de la révolution et de l'amour pour les enfants qui ont perdu la vie dans le séisme. Sima n'est pas seule. D'autres artistes peignent un bâtiment complètement détruit après la catastrophe meurtrière. Un mélange de couleurs dessiné a apaisé la peine d'une population dévastée et remercié tous ceux qui ont contribué à panser ses blessures. Nous, les membres de l'équipe de Richat Amal, avons voulu nous rendre à Jinderis pour réconforter nos concitoyens
les parents de ceux qui ont été tués par le séisme et remercier les personnes qui ont contribué et offert leur aide. À travers ces fresques, nous avons voulu adresser un message de remerciement à ceux qui nous ont apporté leur soutien et se sont tenus à nos côtés pendant cette épreuve difficile. En même temps, nous n'oublions pas ceux qui nous ont laissés tomber et n'ont pas tendu la main. L'aide humanitaire arrive au compte-gouttes, difficilement par la frontière turque. Les sanctions internationales contre le régime de Bachar al-Assad rendent d'autant plus compliqué l'envoi d'aide dans les zones touchées par le séisme. Voilà, c'est la fin de notre édition en version française. Je vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malgache. A tout de suite.